beaucoup, Christian. Franchement, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous et je veux remercier, excusez ma voix, je suis entrée sur Paris vendredi, j'ai fait 6 conférences en 2 jours. Alors, ayez pitié de moi avec un décalage horaire. Alors, j'ai un peu la voix, mais j'aimerais remercier Christian et Justine pour cette belle invitation. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Et c'est vrai que Christian, ça rappelle de bons souvenirs. Je crois que Christian a été le pasteur de jeunesse de mes enfants aussi. Alors, ça ne le rajeunit pas, n'est-ce pas? Et oui, est-ce que pour certains, c'est la première fois? Est-ce qu'il y en a déjà que vous m'avez entendu à faire des conférences pour m'améliorer? Oui. Alors, vous allez voir, ce soir, c'est un peu différent. C'est mon côté scientifique que je vais vous présenter. Et comme Christian l'a dit, je suis une scientifique de formation. J'ai fait sur Montréal, j'ai un baccalauréat en chimie, j'ai un master, une maîtrise en océanographie. Bon, cherchez pas trop le lien. Et par la suite, j'ai fait mon doctorat en biochimie et j'ai fait un post-doctorat en biologie moléculaire pour par la suite travailler pour une pharmaceutique pendant 5 ans. J'étais directrice du département recherche et développement et on développait une molécule pour lutter contre le cancer, contre la prostate et la vessie. Alors, par la suite, après tout ce détour-là, j'aimais encore beaucoup la science. J'ai enseigné à l'université, mais j'ai ressenti aussi une direction, donc de servir Dieu dans mon église. Mais j'aime encore, le côté scientifique est encore très fort en moi. Et en commençant, j'aimerais demander, est-ce qu'il y en a que vous êtes d'arrière-plan scientifique? Levez la main, montrez-moi arrière-plan scientifique. Ça va de ingénieur jusqu'à biologiste. Chimiste, OK, en chimiste. Et est-ce qu'il y en a que, et il n'y a pas de gêne dans ce lieu, est-ce qu'il y en a que vous avez horreur des sciences? Ah là, c'est la majorité! Alors, j'ai un défi à vous convaincre, mais vous allez voir ce soir, le thème, c'est en fait, si vous êtes scientifique d'arrière-plan, vous comprendrez que c'est un défi d'apporter ce thème avec une foule qui est aussi hétérogène. Donc, si vous êtes scientifique de haut niveau, ayez compassion de moi. Et si vous n'avez pas d'arrière-plan scientifique, je crois que cette conférence va être à un niveau très rigoureux, mais très accessible pour chacun et chacune. Et je veux juste vous dire en passant, la plus belle chose, c'est qu'il n'y a pas d'examen. Alors, dis à ton voisin, ta voisine, prends ça cool ce soir. Si tu n'aimes pas la chimie, si tu n'aimes pas la physique, il n'y a pas d'examen. Alors, je voudrais, le titre de la conférence, effectivement, ça a fait l'objet d'un livre, parce que le titre, c'est « Est-il possible lorsque la science et la foi se rencontrent? » Et dans beaucoup de domaines, tant au niveau des croyants, beaucoup de croyants croient que la science n'est pas compatible avec la foi en Dieu. Et il y a beaucoup d'athées qui croient que la foi, c'est pour les simples d'esprit. Que c'était une béquille, que c'était pour vraiment qui ont des gens qui sont moins éduqués. Et Albert Einstein a dit, il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Alors, j'espère, loin de moi, de lancer un défi à Einstein, mais j'aimerais bien ce soir défaire ce préjugé-là et démontrer qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la foi et la science. Vous êtes avec moi? Cette conférence-là et le livre que j'ai écrit est parti d'un titre d'un journal La Presse que tu connais, que tu as lu sûrement, Christian, à Montréal. Et le titre était « Les croyants moins intelligents que les athées ». Et ça a suscité quelque chose en moi parce que je me dis, si on avait mis toute autre religion, cela aurait soulevé un tollé. Vous êtes d'accord avec moi? Et malheureusement, comme croyant, des fois, puisqu'on a moins l'occasion d'étudier sur ce sujet-là, on se laisse un peu diminuer. Et je veux vous rassurer que les croyants sont loin d'être moins intelligents que les athées. Et le docteur Michel Onfray, que vous connaissez, c'est un docteur français qui adhère à un docteur en philosophie. Il adhère à la pensée athéiste. Il a écrit « Mieux vaut la foi qui apporte la tranquillité d'esprit que la rationalité qui mène à l'inquiétude. » Et regardez, souligné, il a écrit, « Même si le prix à payer est celui de l'infantilisme mental perpétuel. » Ça vous aurait stimulé quelque chose, vous aussi. Et je veux le premier préjugé
que je veux défaire avec vous, que avoir la foi, ce n'est loin d'adhérer à l'infantiliste mental perpétuel. Et en quelques minutes dans cette introduction-là, j'aimerais vous démontrer qu'à travers l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, au 21e siècle, beaucoup de scientifiques qui ont marqué l'histoire étaient des hommes de foi. Si je commence par le début, Blaise Pascal, un des grands mathématiciens, était un homme qui était croyant. Grégory Mendel, qui était le père de la génétique, était un homme qui avait la foi. S'il y a des chimistes dans cette salle, Robert Boyle, ça va vous dire quelque chose. Alors, encore là, c'est un scientifique qui était croyant. Isaac Newton, ça dit quelque chose, hein? La pomme qui tombe, n'est-ce pas? Ça vous rappelle quelque chose, Newton? Bon, alors c'était un scientifique. Louis Pasteur, ça aussi, je dis merci Louis Pasteur avec le rhume que j'ai. Je vais probablement avoir besoin de son aide dans les prochains jours. Et Louis Pasteur est un grand aussi théologien qui aimait la Bible, qui aimait Dieu. Et si je vous posais, avant d'aller, montrez pas la diapositive, Charles Darwin, un croyant ou un athée? Ah, à main levée. Allez, on est entre nous ce soir. Darwin athée, main levée, allô? OK, bien, c'est croyant. Ah, là, vous me dites que Darwin, qui a fait la théorie de l'évolution, est un croyant, mais pas possible. En fait, Darwin ne s'est jamais, on l'a défini comme un athée puisqu'il est le père de la théorie de l'évolution. Mais si vous lisez les écrits de Darwin et sa biographie, Darwin ne s'est jamais déclaré athée. Il dit qu'il était un agnostique. Agnostique, c'est quelqu'un qui ne peut pas, qui ne croit pas nécessairement en Dieu, mais il ne peut refuter l'existence de Dieu. Et il dit dans sa biographie, c'est écrit, et je cite, « Dans mes fluctuations les plus extrêmes, je n'ai jamais été athée au point de nier Dieu. » Docteur Francis Crick, qui est le co-dé... Oh là, et vous me dites, c'est certain, tu me montres des croyants qui sont des pères dans les années 1800, 1700. En 2018, au 21e siècle, est-ce qu'il y avait des croyants encore aujourd'hui? Docteur Francis Crick, quand même prix Nobel de médecine 1962, il est le co-découvreur de la structure en 3D de l'ADN. J'ai visité son laboratoire à Long Island où il a découvert cette ADN, la structure de l'ADN. Et Francis Crick, c'est vraiment défini comme étant un croyant. Et j'arrive vers la fin de ces citations-là, mais si vous prenez des notes, un des hommes de science en ce moment les plus performants qui ont marqué l'histoire, c'est le docteur Francis Collins. Il était en charge du programme de décodage. Vous savez, dans les dernières années, nous avons décodé le génome humain, qui a été une aventure, une avancée exceptionnelle dans le domaine des sciences, reconnue par tous les plus grands. Et il a écrit, il est un croyant, et il a écrit dans son livre, et si vous aimez le sujet, ça s'appelle « Le langage de Dieu ». Et dans ce livre-là, et je voudrais le citer parce que c'est tellement important de voir un homme de science, un homme qui a marqué sa génération, qui a marqué dans le domaine de la médecine. Il a dit « Pour moi, cela ne fait aucun doute. Dieu est le créateur de l'univers et a établi les lois naturelles qui le gouvernent. Le réglage fin, la beauté et l'ordre de la nature font état d'un concepteur divin. » Et c'est exactement ce que j'aimerais vous présenter ce soir. Il dit, c'est ma compréhension des processus biologiques qui explique mon passage de l'athéisme au christianisme. Et Albert Einstein a dit aussi, la science ne peut être créée que par ceux qui aspirent profondément à la vérité et à la compréhension. Toutefois, ce sentiment intrinsèque provient de la religion. La foi que le monde qui nous entoure peut être décrit de façon rationnelle, c'est-à-dire compréhensible par la raison, relève aussi de la religion. Et la fin de la citation nous dit, « Je ne peux pas imaginer un scientifique sans cette foi profonde. » Et la phrase suivante traduit bien la situation. « La science sans la religion est boiteuse et la religion sans la science est aveugle. » Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais déjà, vous avez déjà un 100% à l'examen, et même si je dis qu'il n'y a pas d'examen, si je vous demande, est-ce que la science et la foi peuvent être compatibles? Ah, alors c'est un 10 sur 10. Et par la suite, j'aimerais qu'on... C'était à guise d'introduction, et je crois qu'on peut être fier d'avoir la foi et de regarder à travers la création. Plus, vous savez, Louis Pasteur a dit, plus un peu de science m'éloigne de Dieu, mais beaucoup m'y ramène.
Et vous savez, au fur et à mesure que tu étudies, moi j'étais à l'université 12 ans, j'ai fait mon doctorat sur des hépatocytes, des cellules du foie, et on a étudié un mécanisme d'action que les cellules se défendaient pour lorsqu'ils étaient attaqués par une molécule dangereuse ou une agression, alors la cellule se suicide. Effectivement, ça s'appelle l'apoptose. Et vous pouvez vous imaginer, quand tu regardes à la perfection d'une cellule grosse comme la pointe d'une aiguille et que tu vois que cette petite usine-là est fabriquée, que lorsqu'elle est attaquée, menacée par un agent extérieur, elle peut s'éliminer. Et c'est pour ça que dans beaucoup de cancers, les cellules ont perdu ce mécanisme de défense-là. Alors pour moi, c'est fascinant de voir que dans l'infiniment petit, comment nous ne sommes pas le fruit du hasard, comment c'est parfaitement dessiné. Et si on regarde à deux, vous savez, il y a deux grandes questions que l'homme se pose de toute éternité. La première question, c'est comment l'univers a commencé? D'où est l'origine de l'univers? Et la théorie qu'on a dans les universités qui est enseignée pour l'origine de l'univers, c'est le Big Bang. Et le Big Bang nous explique que c'est une énergie, une explosion qui a créé les cieux, tout l'univers entier, que l'univers est en expansion. Ce soir, je n'aborderai pas ce sujet-là, mais si cela vous intéresse, dans le livre « Est-il possible? », je fais un parallèle entre la théorie du Big Bang et vous savez, avec le texte de Genèse chapitre 1, et c'est fascinant de voir que dans le premier chapitre de la Bible, vous trouvez 26 concordances entre la théorie du Big Bang et la création de l'univers tel que décrit dans Genèse. Et dans le livre, on va aussi parler de est-ce qu'il existe de la vie extraterrestre. On va parler exactement le Big Bang et toutes ces choses-là. Donc ça, si vous voulez plus de détails, c'est dans le livre. Vous pouvez vous le procurer en arrière. Mais ce soir, j'aimerais poser la deuxième question. Comment la vie est-elle apparue sur la Terre? Et la question, encore là, à l'université et dans les écoles, l'explication la plus plausible est expliquée par la théorie de l'évolution. Tout de suite, en partant, pour se mettre à niveau, le Big Bang et la théorie de l'évolution, c'est deux choses complètement différentes. Ça va? On est à niveau? La théorie du Big Bang explique l'origine de l'univers et l'évolution tente d'expliquer l'apparition, l'origine de la vie, l'apparition de la vie sur Terre. Et bien souvent, si je posais une main levée, je pense que je vais m'essayer. Christa, je peux faire. Je fais comme à la maison, ça vous va? Et si je pose à main levée, OK, c'est entre nous, regarde, copiez pas sur votre voisin, à main levée, qui croit à la théorie d'évolution? Vrai ou faux? Vrai, à main levée. OK. Il n'y a pas de mauvaise et de bonne réponse. Vous allez voir, qui ne croit pas, tout le reste ne croit pas à la théorie de l'évolution? OK. Si je descendais dans les allées et que je m'amusais à descendre, et je vais descendre, et je pose la question, vous avez une formation en science, hein? Ah, je ne pose pas la question à vous, OK. Je pose la question à Jean-Plaque, vous n'êtes pas obligé de, elle a peur, non. Si je posais la question, qu'est-ce que la théorie de l'évolution? Est-ce qu'il y en a qui pourraient me répondre? À main levée, il y en a qu'est-ce qui pourraient me répondre? Non, il y a ceux qui sont contre. Ah, voilà. Alors, vous avez vu? Ce qui est fascinant, et c'est partout pareil, c'est juste un peu humoristique, mais souvent, on est pour ou contre quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est vrai, elle parle de moi ce soir. On est pour ou contre quelque chose qu'on ne connaît pas, et je dois vous remercier sincèrement d'être venu en si grand nombre en ce mardi soir sur Paris. Je sais que c'est extrêmement, vous avez une vie effrénée sur Montréal aussi, mais j'espère que ce soir, vous allez sortir. L'important, c'est de se faire une opinion lorsqu'on comprend les choses. Et vous n'êtes pas obligé de penser comme moi quand vous allez sortir de ce lieu, mais au moins, on peut se faire une opinion quand on comprend de quoi on parle. Et aussi, c'est important, parce que des fois, on arrive à la salle à café, au boulot, et quelqu'un nous parle de l'évolution, où la Terre, elle a 10 milliards d'années, et ainsi de suite. Et là, tu dis, oh non, la Terre. Et on n'a pas de réponse à ces questions-là. Alors, c'est bien de venir prendre le temps, au moins, de s'informer. Et après, vous forgez votre opinion. Richard Dawkins a dit, qui est un évolutionniste, a dit, et c'est une entrevue qu'il a donnée sur les ondes de la télé CNN, il a dit, l'évolution est un fait. C'est un fait qui est établi de façon aussi sûre que n'importe quel autre fait que nous avons dans le domaine de la science.
Il est tout à fait véridique d'affirmer que l'évidence en faveur de l'évolution est absolument, totalement écrasante. Si vous écoutez, je répète, il est tout à fait véridique d'affirmer que l'évidence en faveur de l'évolution est absolument, totalement écrasante. Personne, en y regardant de près, ne pourrait douter, à moins d'être stupide. C'est dur quand même pour un mot. Et le deuxième préjugé, je vais finir ma citation tout à l'heure, le deuxième préjugé que je veux vous dire, tous les scientifiques, s'ils sont honnêtes intellectuellement, ne peuvent dire que la théorie de l'évolution est prouvée en totalité. Est-ce que j'ai dit que la théorie de l'évolution était complètement fausse? J'ai dit qu'il est impossible d'affirmer qu'elle est prouvée en totalité. Et ça dit par la suite, donc, la seule option qui reste est que ceux qui en doutent soient ignorants et la plupart des gens qui ne croient pas à l'évolution sont effectivement ignorants. Loin de moi de l'idée de vous insulter, mes amis, c'est Richard Dawkins qui vient de le dire. Et la suite va, il y a la moindre évidence en faveur du Dieu judéo-chrétien. Et ça aussi, c'est un mythe qu'il faut briser. Et j'aimerais vous poser la question différemment ce soir, et ça va être vraiment le cœur de cette conférence. Est-il possible que la théorie de l'évolution mette en lumière l'œuvre d'un être suprême? Voyez-vous comment les choses sont différentes? Si on repart du début, qu'est-ce que la théorie de l'évolution? Alors, la théorie de l'évolution, c'est tiré du livre de l'origine des espèces de Charles Darwin. Il est écrit, toutes les espèces vivantes descendent d'un petit ensemble d'êtres communs, peut-être même un seul. Deuxième mythe, Darwin n'a jamais dit qu'on descendait du singe. Jamais. Et c'est pour ça que c'est prendre le temps de connaître et d'apprendre, ça nous dévoile des choses. Tu sais, à ta voisine, tu descends pas du singe. Donne-lui un gros coup, là. Tu descends pas du singe, tu vas voir tantôt, c'est pire que ça. OK. Donc, premier fait, Darwin n'a jamais dit que nous descendions du singe. Par la suite de la théorie, c'est-à-dire la variation au sein d'une espèce est aléatoire et la survie ou la disparition de chaque organisme dépend de la capacité à s'adapter à l'environnement selon un processus appelé la sélection naturelle. Lorsque je dis que la théorie de l'évolution n'est pas prouvée en totalité, ce que je veux dire, c'est que le principe, l'idée de la sélection naturelle, elle est prouvée. Donc, il y a une portion qu'on soit croyant ou non, qui a été démontré scientifiquement que les organismes les plus forts, qui sont capables de s'adapter à leur environnement, vont résister. Et à travers le temps, les organismes comme les êtres humains s'adaptent. Et c'est pour ça que les gens qui habitent en Afrique ou les pays chauds ont la peau noire parce qu'ils résistent mieux au soleil que nous. Et c'est pour ça aussi, à travers l'histoire, vous savez, on s'est adapté à notre environnement. Les gens sont beaucoup... Vous avez des châteaux ici, vous pouvez voir. Les lits dans les châteaux sont tout petits. Nous sommes beaucoup plus grands aujourd'hui que nous étions à l'époque. À part moi. Moi, j'ai résisté au processus de l'évolution, mais à la base, il y a une portion de la théorie de l'évolution, qu'on ait la foi ou qu'on n'ait pas la foi, qui a été démontrée scientifiquement. Ce que moi, je pose la question, c'est le début de cette théorie-là. Ça dit, toutes les espèces vivantes descendent d'un petit ancêtre d'êtres communs, peut-être même un seul. En fait, l'idée de la théorie de l'évolution, c'est d'expliquer l'apparition de la vie, l'origine de la vie, que ce soit dû à l'environnement et au hasard. Et vous savez, aujourd'hui, on cherche, on envoie des sondes partout, on cherche la vie. Quand ils envoient des sondes sur Mars, ils ne cherchent pas des Martiens. Et je ne sais pas si moi, je prends beaucoup l'avion, et c'est fou comment il y a de plus en plus de films de science-fiction qui essaient de trouver la vie. Denis Villeneuve, d'ailleurs, dans son film extraordinaire, et qu'on essaie de comprendre d'où la vie vient. Alors, on fait un accord ensemble. Si nous partons de l'hypothèse de Darwin, que nous descendons,
on pense d'une seule cellule. Ici, on met la prochaine diapositive, on va voir. La cellule dont on parle, j'essaie de trouver une cellule la plus simple possible, difficile à identifier, mais mettons une cellule simple, je dis un protozoaire. Alors finalement, c'est pire. Darwin nous a dit que nous ne descendions pas du singe, mais du protozoaire. Alors, votre ancêtre commun serait un protozoaire. Alors, dis encore à ton voisin, ta voisine, « Bonjour, protozoaire! » C'est de ça que tu as l'air. Et Darwin nous dit que de cette première cellule initiale, les organismes ont apparu, ont évolué. C'est-à-dire que d'un être unicellulaire est devenu des invertébrés, les poissons, les amphibiens, les reptiles, jusqu'aux oiseaux. Vous devinez, j'ai 40 minutes pour vous faire un cours de biologie. Mais en fait, l'idée de base, c'est exactement ça. Mais la question fondamentale à savoir si nous sommes pour ou contre la théorie de l'évolution, la question à se poser, d'où provient la vie sur Terre? D'où provient cette première cellule? Dans les universités et même aux écoles secondaires chez nous, nous expliquons encore et nous enseignons, et ça, c'est la portion qui n'est pas encore prouvé scientifiquement. On appelle ça la biogenèse de la vie, le passage d'une vie inorganique à une vie organique jusqu'au vivant. Ça va en matière? Je vois mon ami ici qui me fait signe, vous me rassurez. Alors, ma science est encore bonne malgré mon âge avancé. Et puis, bon, avancé, pas tant que ça quand même. Mais, et c'est, ce qui est complexe, c'est de savoir comment l'explication enseignée aujourd'hui, c'est que la première cellule serait issue d'une mare qu'on appelle la soupe prébiotique, d'une mare où il y avait des sels inorganiques. Comprenez pas le détail, c'est pas important, mais de savoir qu'il n'y a pas de carbone, il n'y a pas d'azote, il n'y a rien, et qu'avec le temps, avec les conditions atmosphériques, tout ceci se serait transformé en molécules organiques. Pour faire des cellules, ça prend du carbone, ça prend de l'azote, ainsi de suite, et qu'encore là, avec le temps, le hasard, les conditions atmosphériques, le temps, les conditions, le hasard, nanana, que dès ces molécules séparées-là, ils se seraient assemblés ensemble, pouf, pour donner une cellule. Et à l'époque de Darwin, une simple cellule ne veut pas dire la même chose pour moi aujourd'hui. Moi, j'ai fait mon postdoctorat en biologie moléculaire, et pour moi, une simple cellule, c'est antagoniste. Une cellule, c'est tout sauf simple. Et c'est pour ça que je dis, un peu de science m'éloigne de Dieu, mais beaucoup m'y ramène. Lorsqu'on essaie de comprendre comment une cellule, et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer dans les dernières minutes qui sont devant moi, comment une cellule si complexe, si perfectionnée, si bien façonnée, avec un but, une destination, avec une façon d'être régulée, comment une cellule comme ça peut être le fruit du hasard? Comment, avec juste le temps, même si on parle d'adaptation, comment c'est possible? Alors, je vais essayer de vous illustrer. Ça, c'est une cellule. Et une simple cellule, regardez, il y a un noyau au centre, il y a une membrane cytoplasmique et tout ce que vous voyez à l'intérieur, c'est comme des mini-usines. Il y a des organites qui sont faits pour faire de l'énergie, il y a des organites qui sont faits, il y a l'ADN qui envoie des messages pour faire des protéines. C'est extrêmement complexe. Et il y a une cellule, mais à travers le temps, elles se sont diversifiées. Et si on peut regarder la première vidéo avec mes amis à l'arrière, j'aimerais juste prendre le temps de regarder la beauté d'une cellule. Peut-être que ça ne vous dit rien, toute cette complexité-là, comment il y a des milliards et de milliards de réactions chimiques à l'intérieur de quelque chose qui est minuscule comme ça. Et on va regarder en quelques secondes la beauté d'une cellule. Et on va regarder ensemble la beauté d'une cellule. C'est parce qu'on n'avait pas le même format pour la vidéo. Alors, ils travaillent. Est-ce qu'on peut les applaudir pendant qu'ils travaillent très fort comme ça? Merci, mes amis. Alors, je ne peux pas faire plus pour vous. Je viens de Montréal.
Je suis en train de vous donner mon témoignage. Ah, ça s'en vient. Merci beaucoup. Fantastique. Oups. Il y a de l'espoir. Oups. Ah, vas-y. Voilà. Merci, on peut arrêter la vidéo jusqu'ici. Merci. Alors, je ne sais pas si vous êtes avec moi, mais une simple cellule, c'est d'une beauté remarquable. Et si je pousse, si on peut ouvrir les lumières quelques instants, le temps qu'on remette là, on se prépare pour la prochaine vidéo immédiatement. Si on regarde une petite cellule, j'aimerais vous emmener encore plus à l'intérieur de la cellule. Et juste pour vous montrer la complexité de la chose, et il y a une molécule à l'intérieur des cellules dans les membranes cytoplasmiques qui s'appelle l'ATP synthétase. C'est une molécule qui sert à fabriquer l'énergie de vos cellules. Pendant que vous êtes assis là et que vous digérez et que vous pensez à toute chose, votre corps a besoin d'énergie et sa forme d'énergie, c'est l'ATP. Et la façon dont c'est fait, et n'essayez pas de comprendre le détail, c'est pas ceux qui ont un arrière-plan scientifique, régalez-vous, mais juste pour comprendre en arrière l'idée, vous allez voir comment juste dans votre petite cellule, minuscule, comment juste l'énergie, et là je ne vous parle pas de votre cerveau, je ne vous parle pas de votre œil, je ne vous parle pas de vos oreilles, je ne vous parle pas de votre cœur qui bat, je ne vous parle pas de votre estomac, de votre foie qui fait l'insuline, de votre pancréas qui fait... Imaginez toutes ces milliers de fonctions-là, mais dépendent de l'énergie. Et si vous regardez, on va regarder la vidéo, vous allez voir que la structure de cette molécule-là est faite comme un rotor dans un moteur. Et on sait très bien que c'est des ingénieurs qui ont dessiné les rotors pour faire les moteurs. Et ils sont inspirés d'une molécule qu'on trouve dans la cellule. Et la question qui survient, comment pourrait-il être possible que ces cellules-là si parfaites, si, avec une mission si précise, soient juste issues du fruit d'une soupe, vous savez, prébiotique avec des molécules inorganiques, organiques, qui avec le hasard, avec le temps, les conditions atmosphériques, avec le hasard, arriveraient à créer premièrement des cellules, des êtres unicellulaires aussi parfaits et avec à l'intérieur une complexité aussi grande. On regarde la vidéo, regardez juste l'ensemble, le principe de la chose et vous allez voir que c'est fascinant comment les cellules sont bien régulées.
Ça, c'est une image en trois dimensions. Et vous allez, bon, c'est difficile à voir, mais c'est une membrane extérieure de la cellule. Et vous allez voir la molécule qui va s'insérer dans cette membrane-là. Et on a un texte qui va expliquer. Ça, c'est les mitochondries. C'est là où a lieu la synthèse de cette énergie-là. On plonge à l'intérieur de la membrane d'un organite à l'intérieur d'une cellule. Voyez-vous comment on est rendu petit? Alors, dans cet organite-là intracellulaire... It's been called one of the wonders of the molecular world. An amazing nanoscale machine. ATP synthase is a high-tech micromolecular power generator inside the cells of your body. It generates adenosine triphosphate, or ATP, an energy molecule that provides fuel that every one of your cells needs to function. Without this fuel, your cells will cease operation, and so will you. ATP synthase works like a rotary engine. The barrel-shaped rotator is composed of 10 to 15 protein parts called subunits. The rotator spins around, transmitting mechanical energy into the drive shaft of the machine, which helps make ATP. This drive shaft has a specially placed bump that opens and closes parts as the drive shaft spins around. This bump opens special protein subunits on the bottom of the machine. When the bottom subunits open, a spent energy molecule called adenosine diphosphate, or ADP, enters the machine. The mechanical motion causes the ADP to bind with an additional phosphate group, creating the ATP energy molecule. And the ATP drifts off into the cell, ready to power some biomechanical reaction. The ATP synthase machine has many parts we recognize from human-designed technology. A rotor, a stator, a drive shaft, and other basic components of a rotary engine. The ATP synthase is one of thousands of elegantly designed molecular machines inside your cells that make your life and all known life possible. ATP synthase. An example of intelligent design. Est-ce qu'on peut ouvrir les lumières? Est-ce que vous avez vu comment la complexité dans une simple cellule et toutes ces molécules-là, on reçoit l'information. Vous me regardez bouche bée. Est-ce que quelqu'un qui pourrait me résumer la vidéo en ce moment? Ça va? Lui, tu pourrais me résumer la vidéo? Mais sans comprendre le détail, vous pouvez comprendre la complexité. Et toutes ces molécules-là, l'information nécessaire à la synthèse de ces molécules-là se trouve sur l'ADN. Donc, si vous pensez que les protéines ou toutes les protéines et tous les organites cellulaires, c'est complexe, imaginez le bagage génétique nécessaire pour pouvoir transmettre l'information pour créer ces cellules-là. Est-ce que vous croyez, et un des arguments les plus favorables en faveur d'un Dieu créateur, c'est qu'il est impossible d'expliquer comment l'ADN a été synthétisé et comment elle peut contenir autant d'informations pour chacune des personnes ici dans ce lieu. Si vous n'avez pas de jumeaux identiques, votre ADN est spécialement conçu pour vous. Alors, l'ADN de Christian a été conçu qu'il n'y allait pas avoir de cheveux à son âge, et bien avoir des beaux yeux bleus comme ça. Et chaque différence entre vous, vous êtes une impression de Dieu particulière. Et moi, personnellement, en tant que scientifique et croyante, j'aime mieux croire que je suis issue de quelqu'un, d'un être supérieur qui a dessiné, qui a conçu qui je suis, au lieu de penser que je suis issu d'une mère prébiotique et je suis le fruit du hasard. C'est plus rassurant pour moi. Et si on regarde à l'ADN, l'ADN, ça nous dit, l'ADN est composé, imaginez, de 3 milliards de paires de bases. Cela représente 150 milliards d'atomes. Et ça, c'est juste dans le petit noyau de votre petite cellule. Est-ce que c'est assez petit, selon vous?
Et la disparition d'une seule des bases de cette chaîne peut déclencher une maladie. L'ADN du noyau de toutes ces cellules-là, mis bout à bout, au lieu d'être replié et étroitement serré dans les chromosomes, pourrait couvrir votre ADN qui code pour qui vous êtes, pourrait couvrir la distance Terre-Lune 300 000 fois. Si vous pensez qu'il y a de la puissance là-dedans, il n'y a absolument rien à côté de l'ADN. Et c'est-à-dire la distance Terre-Lune 300 000 fois, c'est-à-dire 1,1 fois 10 à la 11 km. Et c'est charmant, c'est-à-dire si vous tapiez les lettres du génome humain à raison de 60 mots par minute durant 8 heures par jour, il vous faudrait 50 ans pour le retranscrire. Est-ce que vous croyez, si vous êtes honnête intellectuellement parlant, qu'un ADN si complexe qui code pour des milliards de protéines serait le fruit du hasard et des conditions atmosphériques? Et ils ont fait quelques calculs, ils ont dit, les calculs, la probabilité de formation spontanée des molécules d'ADN essentielles à l'apparition de la vie, les calculs ont abouti à une probabilité si infime qu'elle est considérée comme mathématiquement impossible, soit 10 à la 600, c'est-à-dire le chiffre 10 suivi de 600 zéros. Alors, je crois qu'on peut ensemble au moins faire l'hypothèse qu'il est difficile de penser que l'ADN soit le fruit du hasard. Et j'aime bien, si on peut, je vais sauter quelques diapositives pour sauver du temps. Et j'aime bien la citation d'Albert Einstein. Albert Einstein a dit, « Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. » Vous êtes avec moi. Et à la fin de cette conférence, j'aimerais encore citer en terminant Albert Einstein qui a dit « L'idée que l'ordre et la précision de l'univers dans ses aspects innombrables soient le résultat d'un hasard aveugle est aussi crédible que si après l'explosion d'une imprimerie, tous les caractères retombaient par terre dans l'ordre d'un dictionnaire. » Et en terminant, je vais demander à mes amis au PowerPoint, on va aller vers une image qui montre la galaxie. Et c'est peut-être plus difficile de comprendre la complexité au niveau cellulaire, mais j'aimerais autant qu'il y ait une précision au niveau de cette petite cellule-là. Et pour moi, je réponds à la première question que je vous ai posée. Est-ce que la théorie de l'évolution peut mettre en lumière l'œuvre d'un être suprême? Pour moi, la réponse est oui. J'espère que ce soir, j'ai pu vous inspirer, du moins à travers ces complexités-là. Mais pendant quelques secondes, le temps, et vous avez été extrêmement patient, j'aimerais vous transporter avec moi de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et c'est fascinant de voir que, autant dans l'origine de la vie, Dieu a fait un concepteur qui est précis, régulé, autant dans l'infiniment grand. Vous savez, lorsque on dit que le Big Bang explique l'origine de l'univers, et le Big Bang, c'est une source, une explosion d'énergie qui, aussi à travers des conditions atmosphériques, a donné tout l'univers qu'on connaît aujourd'hui, avec toute la gravité, avec toute la position, partout et toutes les planètes. Et j'ai pas le temps, ça vous intéresse la grandeur de l'univers, c'est dans mon livre. Mais j'aimerais qu'on puisse regarder à cette grandeur-là. Et si je fais un petit cours avec vous facilement, vous savez que nous faisons partie d'une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Tout le monde est avec moi. Voie lactée, ça vous dit quelque chose? Faites-moi signe. Vous n'êtes pas endormi, vous existez. OK, encore, faites-moi un signe plus haut. Bon, OK. La Voie lactée. Et si tu mets ma prochaine image, tu sais où j'ai mis un soleil, ou que j'ai une petite flèche, la prochaine. La prochaine. Voilà. Et ça, c'est une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Et nous, si vous voyez la flèche jaune, c'est marqué Soleil. Alors ça, dans la Voie lactée, le système solaire est ici dans un bras de la galaxie et nous sommes juste une poussière qui tourne autour du Soleil. Alors, juste vous dire que nous ne sommes pas le centre de l'univers. Dis à ta voisine pour la réveiller, tu n'es pas le centre de l'univers. Je ne vais pas te faire la peine. Peut-être que tu te pensais important, mais non, tu n'es pas le centre de l'univers. Et c'est fascinant, juste pour vous montrer c'est faramineux, pour vous montrer les dimensions. Si vous prenez, Christian, est-ce que tu as une pièce de 1 euro? Qui a une pièce de 1 euro rapidement? C'est comme ça que je gagne ma vie, moi, à faire 1 euro à la fois. Et je n'irai pas sur les Champs-Élysées avec ça, hein, vous comprenez bien. Et, OK. Si, juste pour vous donner une illustration, la galaxie, la Voie lactée, c'est comme la taille de toute l'Europe et l'Afrique.
Ça vous donne une idée? Ça, c'est notre galaxie, où il y a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'étoiles. Et notre système de solaire est gros comme un euro par rapport à l'Europe et à l'Afrique. Alors, quand je vous dis que vous n'êtes pas le centre de l'univers, vous comprenez. Et là, ce n'est pas l'univers, c'est une galaxie. Et notre univers contient des milliards de galaxies qui contiennent des milliards et des milliards et des milliards d'étoiles. Alors, ça, c'est notre système solaire. Et nous, nous sommes gros comme une poussière sur le 1 euro ici. Alors, imaginez que nous, la Terre, c'est gros comme une poussière sur 1 euro comparativement à toute l'Europe et l'Afrique. Et cet univers-là se tient parfaitement. Vous savez, je n'irai pas plus loin, mais si notre Terre était plus proche du Soleil, on serait complètement brûlé. Plus loin, on serait complètement froid. Les molécules, toutes les forces électromagnétiques, toutes les forces, tout ça est bien régulé et précis, autant dans le petit que dans le grand. Et pour moi, tout ceci, on va se préparer pour la dernière vidéo, nous montre comment, autant dans l'infiniment petit, comment ça, est-il possible que de l'infiniment petit à l'infiniment grand, tout ceci soit l'œuvre d'un être suprême, un créateur qui serait le Dieu Tout-Puissant. Amen. Et j'espère, si tu es ici pour la première fois ce soir, j'espère que tu peux ouvrir tes pensées, ouvrir ton cœur et s'arrêter de voir, on va regarder la vidéo, comment à travers l'échelle du temps, comment on est de plus en plus petit. Et l'idée à travers ça, ce n'est pas de vous faire sentir petit, mais c'est de vous faire réaliser combien Dieu est grand. Amen. Commence ici, au cœur de la Venise de Galilée, sur la place Saint-Marc. L'univers est suffisamment grand pour que l'on puisse s'y perdre. Nous avons besoin de repères destinés à nous fournir une notion d'échelle. Le diamètre de ce cerceau d'acrobate est de 1 mètre. Les spectateurs forment un cercle 10 fois plus grand, d'un diamètre de 10 mètres. Le rapport d'agrandissement est de 10 puissance 1. Chaque nouveau cercle ou nouvelle étape de notre voyage correspond à un éloignement de Venise 10 fois supérieur, auquel correspond un champ de vision 10 fois plus large. Le cercle des 100 mètres embrasse la place Saint-Marc. Celui des 1000 mètres, autrement dit du kilomètre, englobe le cœur de la ville. Notre vitesse augmente. Le quatrième cercle, 10 puissance 4, annexe toutes les îles de Venise, l'Adriatique et le nord de l'Italie. Le sixième cercle incorpore l'Europe, du cœur de l'Allemagne jusqu'aux Balkans. Nous apercevons bientôt l'ensemble de la planète, notre port d'attache dans l'espace. Avec la huitième étape, 10 puissance 8, nous dépassons la portée des voyages humains en allant plus loin que la Lune. Que l'on se représente la trajectoire des 9 planètes en orbite autour du Soleil, avec la 13e étape, c'est tout le système solaire qui apparaît. Et à la 15e étape, 10 puissance 15, on peut voir que notre Soleil n'est qu'une étoile parmi tant d'autres. Le voyage se mesure désormais en années-lumière, la distance parcourue par la lumière en un an à 300 000 km/s.
nous dépassons seulement maintenant les étoiles les plus proches de la Terre, distantes de presque 5 années-lumière. À la vitesse d'un vaisseau spatial actuel, un voyage comme celui-ci durerait 100 000 ans. Tandis que nous traversons la nuit infinie, notre exploration nous entraîne loin du Soleil, à la lisière d'un immense disque d'étoiles qui dessine une spirale. La Voie lactée est une galaxie spirale, et notre Soleil, qui en fait partie, n'est qu'une étoile parmi une centaine de milliards d'autres. À cette échelle, 10 puissance 23, même la plus petite lumière qui scintille n'est pas une étoile, mais une galaxie, composée d'étoiles innombrables. Les astronomes se sont aperçus que les galaxies s'éloignent à toute vitesse les unes des autres, et que l'univers est en expansion. Notre galaxie, comme toutes les autres, forme des amas et des super-amas de taille prodigieuse, couvrant plusieurs centaines de millions d'années-lumière. À quelques 15 milliards d'années-lumière de Venise, nous approchons des limites extrêmes de l'univers visible. Qu'y a-t-il derrière l'horizon cosmique? Nous ne pouvons le voir et nous l'ignorons. Pendant que mon ami va jouer le piano, et j'aime la question et je vous la pose ce soir, qu'y a-t-il derrière cet grand univers cosmique? Qu'y a-t-il derrière cette création de la vie, la formation de la vie? Et récemment, vous savez, le télescope Hubble nous a donné des images extraordinaires de l'univers. Et il a renvoyé, on a eu des images, vous pouvez voir sur le site de la NASA, c'est fantastique. Une des galaxies les plus éloignées se trouve à 31 millions d'années-lumière d'ici. Et on l'appelle la galaxie du tourbillon. Et ça m'a fascinée quand j'ai vu les images parce que à l'intérieur des images, vous allez voir sur l'écran, c'est un jeu d'optique de lumière quand ils ont pris la photo. Mais si on peut remettre la diapositive, vous allez voir qu'à l'intérieur, au plus loin de l'univers, 31 millions d'années-lumière, la plus lointaine des galaxies, au cœur même de cette image-là, on peut voir, est-ce que mes amis peuvent mettre la diapositive en bleu? On voit, je ne vais pas dire le... Est-ce que vous êtes capable de mettre la... Regardez. Et ça, c'est une image que vous allez sur le site de la NASA. C'est le cœur qui se trouve dans la galaxie la plus éloignée de l'univers. Et lorsque je regardais cette image, je me suis dit, c'est complètement fou. Le plus loin que tu peux aller, tu vas toujours trouver la croix. Et à travers toute cette grandeur de l'univers, il est impossible, selon moi, et j'espère vous avoir convaincu ce soir, que cette grandeur-là, cet univers parfait, ne peut être que issu, que créé par un Dieu tout-puissant. Je vais terminer cette conférence, ça avait été extraordinaire. Dans la Bible, vous savez, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, au verset 12, il est écrit « Qui a mesuré les eaux dans les creux de sa main, pris les dimensions des cieux dans la paume? » Pouvez-vous vous imaginer, avec les années-lumière que je vous ai parlé, ces milliards et milliards d'étoiles, ces milliards et ces milliards de galaxies, la Bible nous dit que c'est Dieu qui tient le monde dans sa main. Pouvez-vous imaginer la main de Dieu? Alors, il tient, et le même livre d'Ésaïe, au verset juste précédent, ça dit « Celui qui tient l'univers dans sa main, et le même Dieu qui prend les brebis, vous savez, il est comparé à un berger, il prend les brebis et les colle contre son sein ou contre sa poitrine. » Et c'est fascinant de voir autant que Dieu connaît toutes les étoiles de l'univers, à travers toutes ces grandes galaxies, il connaît ce soir, mon ami, ton nom.
Il connaît ta destinée. Il connaît tes jours qui sont comptés. Et lorsque tu traverses des moments difficiles, si tu fais appel à lui, il peut te prendre et venir vers toi. Et vous savez, on peut essayer de parler de milliards d'étoiles, d'infiniment petits. Mais le grand Dieu de l'univers, la plus grande façon de le dévoiler ou de le connaître ou le démontrer, c'est lorsqu'on fait appel à lui. Et ce grand Dieu de l'univers est ici dans ce lieu. Et si tu es venu, je ne sais pas comment tu es venu avec toutes sortes de situations. Mais j'aimerais qu'on puisse prendre quelques temps pour, on va juste chanter un chant, quelques secondes, et qu'on prenne quelques instants pour dire, « Wow, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je suis venu avec des difficultés, je suis venu avec des besoins, avec des défis, avec des peines, avec des doutes, avec des craintes. Mais ce soir, je sais que tu es plus grand que tout ça. Je sais que tu m'as aimé. Et savez-vous quoi? Jésus était 100% Dieu. Et Jésus a choisi. Il était le même Dieu, le Dieu créateur. Il a choisi de venir mourir sur cette croix, comme je vous ai montré, afin que nous soyons réconciliés, vous et moi, avec lui. Et c'est par Jésus ce soir que je veux vous présenter que si vous avez besoin de rencontrer ce Dieu créateur-là, juste tout à l'heure, on va prendre quelques instants puis vous allez me dire, Stéphanie, j'aimerais rencontrer ce grand Dieu, le créateur, qui prend soin de moi, j'ai besoin de lui. Et peut-être, si tu le connais, tu es peut-être venu avec un besoin puis te dire, wow, ça m'a fait du bien de savoir que si Dieu est si grand, il va s'occuper de ma vie et de mes difficultés. Alors, est-ce qu'on peut se lever ensemble pendant quelques instants? Est-ce qu'on peut chacun d'entre nous se lever? Et on va chanter un chant qui nous parle de la grandeur de l'univers. Et juste disposez votre cœur alors que je vais vous poser cette question ce soir. Est-il possible que Dieu soit le Créateur? Quand je sens ta lumière, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter, oh Dieu, tu infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. On va le rechanter et pense aux images. Ô Dieu, tu es. Tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Il y a quelques années de ça, alors que mon fils était en bas âge, il était hospitalisé parce qu'il était malade pendant plusieurs semaines et on pensait qu'il avait un cancer du sang. Et on a passé plusieurs examens et le lendemain, j'attendais le diagnostic à savoir si mon fils avait un cancer. Et mon mari m'a dit, veux-tu que j'emmène quelqu'un pour être avec toi parce qu'elle est s'occuper de notre enfant plus jeune. Et j'ai dit non. Dans cette chambre d'hôpital-là, j'ai dit non, je veux être seule dans la chambre avec mon fils. Vous savez, quand vous êtes face à une maladie ou face à un défi, c'est plus la scientifique qui résonne. C'est le cœur. Et à ce moment-là, j'ai demandé au Dieu de l'univers, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, de venir me donner une paix. Et je vous assure que dans cette chambre d'hôpital-là, en attendant un diagnostic de cancer pour mon fils, j'ai ressenti la présence de Dieu. Et ce même Dieu, il est ici dans ce lieu pour toi.
Il est ici, il connaît. Alors, je vais juste vous demander, maintenant, c'est un moment personnel. On n'est pas ici pour jouer à l'église. Il n'est pas ici pour regarder. On est ici. Vous savez, la vie est tellement difficile partout sur Paris, sur Montréal. Et je crois que chacun d'entre nous, il y a des moments de notre vie où on a besoin d'une rencontre avec ce grand Dieu-là. Et lui, il n'attend, il a les bras ouverts, il attend de vous prendre dans ses bras. Alors, pendant que tout le monde ferme les yeux, s'il vous plaît, je vous demanderai vraiment de fermer les yeux. Maintenant, c'est entre vous et Dieu. C'est une décision d'éternité, une décision qui peut changer votre vie, une décision qui peut ouvrir un chemin devant vous, un espoir, une vie nouvelle. Alors, si tu es venu ici pour la première fois, peut-être tu ne connais pas les églises, peut-être tu connais Dieu d'une façon intellectuelle, mais ce soir, quelque chose qui est venu dans ton cœur, c'est-à-dire, je veux connaître ce grand Dieu créateur-là. J'aimerais être en relation avec lui. J'aimerais connaître Jésus, son Fils, accepter qu'il est mort sur la croix pour que je devienne ami de Dieu, que je sois rachetée de mes fautes, de mes péchés, de mon passé, des blessures, et que de dire, Jésus, viens habiter dans mon cœur ce soir. Alors, si peut-être c'est la première fois ce soir, tu entends parler de Jésus, de Dieu, de cette façon-là, juste à main levée, de dire, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin, Stéphanie, que tu pries pour moi ce soir. Même si je n'ai pas tout compris, je sais que j'ai besoin de Dieu. Est-ce que quelqu'un, tu es ici pour la première fois? Oui, mon frère, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Vous êtes ici pour... Merci. Quelqu'un d'autre? Gardez votre main. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Vous êtes ici. Il n'y a pas de gêne. On a toute une première fois. Amen. Merci. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je veux vous attendre. Que voir. Wow, j'ai découvert une nouvelle facette de Dieu. Les dieux puissants, mais les dieux, mon ami. Est-ce que je... Ah, merci jusqu'à l'arrière. Amen. Est-ce que je peux demander un pas de plus, pasteur Christian? Est-ce que je peux demander qu'il vienne en avant? Est-ce que je pourrais demander, c'est extrêmement important pour moi, comme un pas de foi, la salle est grande et j'aimerais avoir un temps de relation avec vous, prier avec vous. Pasteur Christian est ici, tous ceux qui ont levé la main, vous savez, on a tous fait ce pas-là de foi. Est-ce que je peux vous demander de venir en avant quelques secondes de votre temps pour que je puisse prier pour vous? Il n'y a personne, n'est pas jeune, j'ai vu 10 personnes au moins qui ont levé leur main. Voulez-vous vous avancer, s'il vous plaît, en avant? Mon ami ici, à l'arrière, au fond, faites-vous une place. Si vous avez invité quelqu'un, emmenez-le en avant avec vous. Il y avait des gens à l'arrière, 3 personnes à l'arrière. Pas de pression, mais sentez-vous pas gêné. Mais c'est comme un pas de foi. C'est comme je dis, je vais vers l'avant. Je laisse les choses à l'arrière et je vais à l'avant. Est-ce qu'on peut s'avancer pour faire de la place à tout le monde? Merci. Avancez-vous. Est-ce que quelqu'un, je veux attendre, vous avez levé la main. Vous avez besoin de rencontrer Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut... Je veux vous remercier. Merci pour cette belle décision-là. Et si vous voulez, à la fin de la réunion, ça me fera plaisir de discuter avec vous. Mais si vous voulez, on va fermer les yeux. Amen. Viens à mon ami. On va fermer les yeux, on va prier ensemble. Et peut-être, Christian, tu veux venir peut-être prier. Et alors que pasteur Christian va prier, vous pouvez juste répéter après lui.